Bonsoir. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle série intitulée 48 heures, comme la durée maximale d'une garde à vue en France. La garde à vue est l'objet de tous les fantasmes, parce qu'on n'y pénètre jamais. Il n'y a pas d'image, pas de reportage sur les gardes à vue. Eh bien nous, nous avons décidé de rompre le secret de ces huis clos. Ce soir, vous pourrez assister à deux gardes à vue qui se sont déroulées dans le cadre d'affaires criminelles totalement résolues. Pour ce faire, nous avons demandé à des comédiens de jouer le rôle et des enquêteurs et celui des personnes interpellées. Ces face-à-face ont été reconstitués à partir des procès-verbaux des auditions. Autre particularité de 48 heures, ceux qui ont réellement mené ces gardes à vue témoignent de ce qu'ils ont vécu et nous décryptent ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux. D'une certaine manière, ils nous révèlent le dessous des cartes et leur technique d'interrogatoire. Mais, et vous vous en rendrez compte, au fur et à mesure de la série, il n'y a pas de recette miracle. En matière de garde à vue, tout est question d'intuition, d'empathie parfois, et de bluff. Ainsi, la garde à vue de Jean-Yves Morel que vous allez voir ce soir s'est jouée en deux temps, et il a fallu un incident anodin et imprévu pour achever de le déstabiliser. Le 2 juillet 1997, en Normandie, John Griffin signale la disparition de sa fille de 23 ans, Elisabeth. Cette étudiante en chimie à la fac de Rouen n'a plus donné de nouvelles depuis 10 jours. Le lendemain, sa voiture est retrouvée sur le parking d'une cité, à une cinquantaine de kilomètres de son domicile, les portes ouvertes, son sac à main à l'intérieur. Dans le sac, deux petits bouts de papier. L'un avec un numéro de téléphone, celui d'un certain Jean-Yves Morel. L'autre, sur lequel est griffonné « Fred, le 24, à 10h ». Une enquête d'envergure est lancée. Les gendarmes convoquent des milliers de Fred ou Frédéric, entendent des centaines d'habitants de la cité où la voiture a été découverte et tous ceux dont Elisabeth possédait les coordonnées. En vain. Après 3 mois et demi d'enquête, il ne reste qu'un nom, celui du numéro de téléphone retrouvé dans le sac. Jean-Yves Morel est un homme sans histoire de 33 ans, marié, père de famille. Elisabeth avait rencontré ce technicien de laboratoire 1 an plus tôt lors d'un stage effectué au sein de l'usine où il travaille. Coïncidence troublante pour les enquêteurs. Marilyn, la jeune belle-sœur de Morel, avait disparu, elle aussi, 1 an auparavant. Le 9 octobre 1997, Jean-Yves Morel est convoqué à la gendarmerie de Notre-Dame de Gravenchamps. Il arrive en voiture, il est 9h du matin, sa garde à vue commence. La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Sa durée est de 48 heures maximum. Cette garde à vue a été reconstituée avec des comédiens d'après les procès-verbaux des auditions. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Bien sûr. Pourquoi vous me demandez ça? C'est la procédure, monsieur Morel. Pouvez-vous décliner votre identité, votre date et lieu de naissance? Et nous parler de votre famille. Je m'appelle Jean-Yves Morel. Je suis né le 4 janvier 1965 à Dieppe. Mon père est prof de chimie pour la fac de Rouen et du Havre. Et ma mère était enseignante parce qu'elle est à la retraite à présent. Mmh. Et j'ai 2 sœurs. Une qui est médecin et l'autre qui est informaticienne. Vous êtes marié? Oui, je me suis marié le 4 septembre 1995 avec Nadine Rousset. Et nous avons une petite fille qui va bientôt avoir 1 an. Elle est née en novembre l'année dernière et je m'occupe beaucoup d'elle. Je l'observe. Il est impassible, calme, serein. Je ne vois pas quelqu'un d'ému, quelqu'un de coincé. Il est tout à fait serein. On voulait comprendre la personnalité de cet individu. Concernant Jean-Yves Morel, c'était quelqu'un de très réfléchi, qui attendait qu'on ait fini de poser la question et pour bien la comprendre, et qui, à chaque fois, avait une réponse tout à fait plausible. C'est une pièce de théâtre, une audition. Hein.
Et vos cours sont les faits. Il faut que vous adaptiez votre caractère, votre diplomatie ou votre violence verbale en fonction de l'individu qui se trouve en face de vous. Et vos études, vos diplômes ? J'ai un bac B. Et depuis 11 ans, je travaille pour un labo à Lillebonne. Je suis technicien de laboratoire et j'y suis très bien. Et dans votre travail, vous avez affaire avec les stagiaires ? Oh oui. Oui, régulièrement. J'ai même encore de très bons contacts avec certains d'entre eux. Il m'est même arrivé d'en inviter chez moi. Je pense à Michael, notamment, Thomas et Elisabeth Griffin. Et vous entendez bien avec votre famille ? Il n'y a pas de problème. Et avec vos voisins ? Nous avons de très bonnes relations avec nos voisins. Nous avons la même philosophie. Nous voulons rester en bons termes, mais on ne se reçoit pas. Jean-Yves Morel est quelqu'un de tout à fait normal. C'est le monsieur tout le monde. Il fréquente ses beaux-parents, la famille en général. Il sort avec son épouse et sa petite de temps en temps. Il n'avait pas un profil suspect, disons. Il avait un profil de monsieur tout le monde. L'homme idéal à tout point de vue, ça nous paraît quand même surprenant. Vous pouvez me donner les marques de vos véhicules ? Oui, nous avons deux voitures. Une Peugeot 205 GRD ainsi qu'une Range Rover. Mon épouse conduit la Peugeot et je conduis le 4x4. Et j'ai aussi une moto. On avait remarqué quand même que Morel était attaché quand même à avoir des choses de valeur, quoi. Il n'achetait pas des... Il avait acheté un VTT, par exemple, qui coûtait très cher. Il avait un bateau à voile. Il pouvait presque considérer qu'il vivait au-dessus de ses moyens. Voilà, fini en bas de chaque page. Donc, la première audition, les quatre premières heures, on n'arrive pas trop à percevoir le caractère de la personne. Il est assez réservé, calme. Il prend son temps pour répondre aux questions, mais on n'aborde pas le fond, si vous voulez. C'est votre première moto ou vous en avez eu d'autres ? Non. L'habitude à Daniel Guirou et moi, dans des gardes à vue, c'est de dire, bon ben voilà, on a fini une première partie, on va rediscuter un petit peu après, et puis de changer de sujet. Dans le cas présent, avec Morel, on avait discuté effectivement de moto, de 4x4 et de différents sports qu'il aimait pratiquer. Ah oui, d'accord, magnifique. Ça permet de détendre la personne qu'on a en face de nous et qu'elle soit peut-être moins sur ses gardes, qu'elle soit plus apte à répondre à ce qu'on a à lui demander. On va aussi faire notre expertise graphologique. Mm-hmm. Morel a-t-il rédigé le petit mot retrouvé dans la voiture d'Elisabeth ? C'est ce qu'une analyse graphologique doit pouvoir établir. Cet écrit va être transporté durant le temps de la garde à vue auprès d'un expert graphologique. Nous espérons effectivement avoir des résultats dans des délais très rapides avant la fin de la garde à vue pour pouvoir confondre Morel. Quand et comment avez-vous appris la disparition d'Elisabeth Griffin ? J'ai appris sa disparition par un de vos collègues de la brigade de Saint-Romain de Colbos. Le gendarme m'a demandé si j'avais eu des nouvelles d'Elisabeth. J'étais frappé de cette disparition. Nous aussi, dans la famille, nous avons connu la disparition de ma belle-sœur et je me mets à la place de M. Griffin. De souffrir terriblement de cette situation, ne pas savoir, il n'y a rien de pire. Le but, c'est de le laisser parler. Là, c'est lui qui vient tout seul, donc qui nous parle de Marilyn, donc qui essaye de savoir si on a fait la relation entre les deux affaires. Donc, on le laisse venir. Morel a été placé en garde à vue car ce n'est pas une, mais deux disparitions qui ont été signalées dans son entourage, celle d'Elisabeth et celle de Marilyn un an plus tôt. Marilyn Rousset était la petite sœur de la femme de Morel. Elle n'avait que 17 ans quand elle s'est volatilisée dans la nature le 5 avril 1996, après avoir rendu visite au couple. L'enquête avait alors conclu à une fugue. Néanmoins, des similitudes troublantes apparaissent entre les deux affaires. Les deux jeunes filles étaient parties de la même région. Toutes les deux connaissaient Morel. Et toutes les deux avaient laissé un petit papier, donc des similitudes dans le cas des deux disparitions. Sur mon bureau se sont trouvées les photos de Marilyn Rousset et d'Elisabeth Griffin. Et en faisant du rangement, en mettant les photos côte à côte, je me suis rendu compte que les deux jeunes filles avaient la même apparence physique. Nous les avions exposées dans une salle de réunion. Et effectivement, la ressemblance était vraiment criante. Souvent, ils les prenaient pour les mêmes personnes.
L'adjudant-chef Alanic a entendu Jean-Yves Morel comme témoin lors de la disparition de Marilène. Elle s'en rappelle même plus de 20 ans après. Monsieur Morel avait la fâcheuse habitude d'examiner ma poitrine. Lorsqu'il portait ses yeux sur moi, j'étais gênée. Je ne pouvais pas le regarder droit dans les yeux. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et aussitôt après l'audition, j'en ai référé à mes supérieurs. Quand nous procédons aux interrogatoires de Morel dans le cadre de ce garde à vue, on travaille sur la disparition d'Elisabeth uniquement. Nous n'avons pas le droit, dans le cadre juridique que nous opérions, d'interroger Morel sur la disparition de Marilyn. Malgré les soupçons qui pèsent sur Jean-Yves Morel, les enquêteurs n'ont pas d'éléments matériels pour l'incriminer dans ces deux disparitions. Les enquêteurs proches, notamment mon collègue qui participait à la garde à vue, ainsi que le directeur d'enquête, on est persuadé que c'est lui. Mais on n'a rien qui mette en cause Jean-Yves Morel dans la disparition d'Elisabeth Griffin. Tout le problème était là, c'est que même si c'était des éléments intéressants, il n'y avait pas de preuves formelles et on était surtout handicapé par l'absence de scènes de crime. Donc il nous faut des aveux, mais des aveux circonstanciés, avec des éléments, parce que les aveux en eux seuls ne feront pas avancer. Seul indice que l'enquête a révélé, les nombreux échanges téléphoniques entre Jean-Yves Morel et Elisabeth Griffin. Lors de la deuxième audition, après 5 heures de garde à vue, les gendarmes vont tenter de déceler la véritable nature de leur relation. Quand avez-vous connu Elisabeth Griffin ? La première fois que j'ai rencontré Elisabeth, c'était à la mi-août 96. Je rentrais de vacances et elle était stagiaire d'été depuis quelques semaines au labo où je travaille. Quand on est technicien comme vous, on a des rapports avec les stagiaires. Oui, mais je ne suis pas quelqu'un de prétentieux ni méprisant. Très vite, on parle. Avec Elisabeth, il s'est passé la même chose. On a causé chimie. Donc on s'est échangé nos tuyaux. Et je me souviens, on a mangé 2 fois dans un petit restaurant à Lillebonne et 1 fois dans une petite brasserie à Notre-Dame de Gravenchon. C'était avec mon collègue Barthélémy. Lors de ses réponses, il y a toujours une part de vrai, puisqu'il implique à chaque fois certaines personnes de son entourage, familial ou professionnel. Et aviez-vous gardé un contact avec Elisabeth après son stage ? Pourquoi vous me demandez ça ? Pour savoir si vous aviez gardé un contact après son stage. Ça vous dérange ? Non ? Dans cette première phase d'audition, on va lui poser des questions sur le détail, à quel endroit, ou quel... Là, il va être tortueux. Mais pourquoi vous me demandez ça ? Vous voyez, il veut savoir ce que l'on a dans notre dossier avant de répondre aux questions. En octobre ou en novembre, elle m'a appelé un soir chez moi. Mais je me souviens que mon épouse était dans le salon, elle était à la maison et elle a entendu notre conversation téléphonique. Et moi, je lui ai donc répondu en partie sur son problème de chimie et je lui ai donné rendez-vous à la gare de Bréauté, quelques jours plus tard. Pourquoi à la gare ? Eh bien, je suis quelqu'un de très précis sur les horaires et je n'aime pas attendre. Je n'aime pas être en retard et comme je savais que son train venait de Rouen, je lui ai fixé un rendez-vous à la gare même. J'étais accompagné de mon épouse qui était enceinte à l'époque et de notre chienne Jimmy. D'accord. Trop de détails tue le détail. C'est trop, trop d'éléments. C'est pas possible qu'on se rappelle ce qu'on a fait avec autant de précision. Au bout de 3-4 mois, c'est pas possible. Nous paraît vraiment psychorigide, dans le sens que sur les horaires, il donnait rendez-vous à Elisabeth à telle heure, lui, il était toujours en avance. Il est très, très méticuleux. En janvier ou février, oui, elle m'a appelé parce qu'elle voulait que je lui rende les cours qu'elle m'avait prêtés. Parce qu'elle avait beaucoup de travail, elle était débordée, elle avait un emploi du temps très chargé. Sa technique est très simple. Il préfère dire qu'il était ami avec elle, qu'il l'aimait bien, qu'il l'aidait pour lui donner des cours de chimie pour qu'elle évolue dans le cadre de ses études, de façon à se disculper sur l'affaire en disant « j'ai aucune raison de faire du mal à cette jeune fille puisque je l'aide ». Donc il se présente comme son protecteur. Avec le recul, je pense qu'elle était anxieuse, oui. Oui, elle avait vraiment envie de réussir ses examens. Ça lui aurait permis d'avoir une indépendance financière. Et j'ai cru comprendre que en cas d'échec, son père voulait lui couper les vivres. Comment elle vous l'a dit ? Non, elle me l'a pas dit comme ça, mais c'était une impression personnelle qui est devenue de plus en plus forte au fur et à mesure de nos conversations téléphoniques et de nos rencontres.
personne n'a pu nous confirmer que Elisabeth avait des soucis familiaux ou avec un petit ami ou des problèmes dans ses études qui feraient que son papa lui couperait les vivres. Elle parlait jamais de sa mère, mais c'est par le boulot que j'ai appris que sa mère s'était suicidée. Mais sinon, à part ça, il n'était question que de travail. Oui, je sentais que le stress montait. Elle était démotivée et qu'elle avait besoin d'être soutenue. Il nous l'a décrit comme quelqu'un de fragile, peut-être suicidaire. Donc, en nous envoyant sur le suicide, il cherchait encore à s'échapper de l'affaire. Vous pensez qu'Elisabeth s'est suicidée? Je sais pas. Vous savez où elle habite? Vous êtes déjà allé chez elle? Oui. Deux fois, je lui ai donné ses cours dans sa boîte aux lettres, en bas de chez elle. Et la deuxième fois, c'était de la main à la main. C'était dans son studio à Rouen, mais je suis resté sur le pas de la porte. On s'est quand même posé la question de savoir s'il était allé à son domicile et s'ils avaient une relation autre que professionnelle. Les enquêteurs ont relevé des traces ADN inconnues au domicile d'Elisabeth, notamment sur une bouteille de jus d'orange. Les gendarmes espèrent qu'il s'agit de l'ADN de Morel. Malheureusement pour l'enquête, c'est avéré que le résultat ADN ne concernait pas Morel. Et dans un second temps, tous mes espoirs tombaient à l'eau du fait que l'expertise graphologique était également négative pour l'expert. C'était pas Morel qui avait inscrit la mention Fred le 24 à 10h. Ce qui, dans un sens, évidemment, nous a découragés, entre guillemets. L'enquête sur l'environnement d'Elisabeth Griffin nous a pas permis de déterminer s'il y avait quelque chose entre elle et Jean-Yves Morel. Lorsqu'il va à Rouen, il y a toujours un prétexte et un justificatif pour lui. Mais est-ce que c'est pas pour aller voir Elisabeth? Est-ce que c'est pas pour la suivre, etc.? Là, à ce moment-là, on ne sait pas. Monsieur Morel, comment décririez-vous votre sexualité? Depuis mon adolescence, je pense que j'ai une vie sexuelle normale. J'ai connu une dizaine de partenaires et depuis que je suis marié, je suis fidèle. Et votre vie de couple actuellement? Nous nous entendons parfaitement et j'estime que nous sommes un couple épanoui. Alors, notre sentiment à ce moment-là, c'est trop poli pour être honnête. Il s'est passé quelque chose dans la vie de cette personne-là pour arriver à son âge et être aussi lisse. Dans un bureau à côté, Nadine, la femme de Jean-Yves Morel, est également entendue. Elle décrit son mari comme pantouflard et leur relation tout à fait ordinaire. Morel, effectivement, avait une bonne réputation, n'avait jamais eu d'antécédents judiciaires et sa vie était assez lisse, sa vie de couple était pratiquement modèle. Donc c'est vrai qu'il ne se présentait pas comme un potentiel criminel. Après plus de 8 heures de garde à vue, les enquêteurs n'ont absolument pas avancé concernant la culpabilité de Morel. Lors de la prochaine audition, ils vont orienter leurs questions autour de la date supposée de la disparition d'Elisabeth. Les investigations entreprises depuis le début nous amènent à être persuadés qu'Elisabeth a disparu le 24 juin. C'est une raison pour laquelle la garde à vue de Morel va s'orienter essentiellement sur son emploi du temps pour cette journée particulière. Le 24, je me suis levé en même temps que mon épouse à 6h30 parce que j'avais mal au ventre, je me sentais pas bien. Mais je me suis quand même habillé pour aller au travail et... Mais en fait, j'en étais incapable, donc j'ai appelé le labo et... Je leur ai dit que je ne viendrais malheureusement pas travailler. Et dans la matinée, vous êtes sorti? Non, je ne suis sorti ni à pied, ni en moto, ni en voiture. Et après? Ma femme est rentrée à 12h30, nous avons déjeuné ensemble. Et elle est repartie vers 14h45. Oh, et mon collègue, Denis, je l'ai appelé pour lui dire que je ne pourrais malheureusement pas venir à la piscine. En évoquant son problème de gastro, si jamais il a tué Elisabeth, c'est encore une façon de déjouer la piste des enquêteurs. C'est très bien réfléchi, parce qu'avec une gastro, il a pu annuler tous ses rendez-vous,
Il n'a pas besoin d'apporter de preuves. Il est malade, il est chez lui, donc tout est clair. Votre femme, elle est rentrée à quelle heure? Comme d'habitude, à 18h30, j'étais allé chercher la petite chez la nourrice et nous avons passé la soirée ensemble. Et le lendemain, je n'ai pas travaillé. D'accord, donc à part être allé chercher votre fille, vous n'avez pas bougé ni le 24 ni le 25? Non, absolument pas. D'après votre relevé bancaire, vous avez rédigé un chèque de 99 francs le 24 à l'ordre de votre coiffeur à Lillebonne. Donc vous êtes bien déplacé le 24, monsieur Morel, contrairement à ce que vous avez dit. Très franchement, je me rappelle pas avoir été chez le coiffeur à Lillebonne le 24. Enfin, ne vous moquez pas de nous, monsieur Morel. Vous vous souvenez avoir téléphoné à votre collègue de travail pour annuler la piscine? Et vous vous rappelez pas être allé chez le coiffeur? Il a changé sans cesse de version. On le voit, il réfléchit, il cogite, il regarde. Moi, je lui dis, monsieur Morel, réfléchissez pas trop longtemps. Dites-nous exactement votre emploi du temps. Vous nous donnez une nouvelle version à chaque fois, monsieur Morel. Donc il faut nous dire exactement ce qui s'est passé le 24. On s'aperçoit que la personnalité de Morel ne permet pas d'agir comme ça, il ne faut pas le brusquer. Le fait d'élever la voix le déconcertait. C'est quelqu'un qui se bloque. Vous savez, je pense que vous vous mélangez les pinceaux sur les dates et sur ce que vous avez fait parce que vous inventez tout ça, monsieur Morel. C'est ça? Le 24. Je ne suis pas sorti de chez moi. Et je ne suis pas allé chez le coiffeur. À ma connaissance, je n'ai appelé personne et je n'ai reçu aucun appel. C'est très étonnant qu'il ait tenu très longtemps en garde à vue sans craquer. Mais c'est le cas des grands innocents ou des grands criminels. Les grands criminels, en fonction de leur personnalité, peuvent en effet tenir très longtemps, tant qu'ils ont le contrôle. Pendant toute la nuit, lors des 4e et 5e auditions, les enquêteurs questionnent sans relâche le prévenu sur son emploi du temps du 24 juin. Malgré quelques incohérences, Morel maintient sa version. Le lendemain matin, après 23 heures de garde à vue sans répit, les gendarmes vont confronter Jean-Yves Morel à de nouveaux éléments retrouvés lors de la perquisition à son domicile. Pouvez-vous nous décrire ce qu'il y a dans ces cartons et si leur contenu vous appartient? Oui, c'est des cassettes porno. Et c'est à moi. Ces cassettes sont à moi. Vous savez combien il y en a? Non, je n'ai pas compté. Il y en a 140. On a 3 cartons. Si vous le dites. Vous savez où on les a trouvés? Oh oui, je m'en doute. Au cours de la perquisition menée au domicile de la famille Morel, nous découvrons au grenier une porte verrouillée. Et une fois que cette porte a été ouverte, nous avons découvert du matériel permettant de visionnage de films à caractère pornographique et de nombreuses revues pornographiques. Il est très rare que lorsque on exerce notre métier, lorsqu'on effectue des perquisitions, qu'on le retrouve, mis à part chez des scénaristes ou des gens de la profession du porno, de retrouver chez un particulier 140 cassettes porno. 140, ça fait quand même beaucoup. Donc c'est un collectionneur. C'est un collectionneur compulsif. Ça montre déjà que derrière le côté lisse et tranquille du monsieur Tout-le-Monde, il y a quelqu'un d'autre. Les compulsifs sont quand même des gens qui commettent des passages à l'acte. J'ai eu un ressenti qui s'est traduit physiquement, bizarrement. J'ai eu une émotion qui m'est montée des orteils jusqu'au plus haut de mes cheveux. Et j'ai eu le sentiment qu'on avait affaire à notre homme. C'était le type qu'on recherchait. Ça nous conforte dans l'idée que l'agression de ces deux disparus est liée et d'ordre sexuel. Et les livres, les revues? Oui, c'est à moi. Les livres sont à moi. Il y a un souci avec les revues? Interrogée à ce sujet, Madame Morel nous apprend qu'elle ignorait l'existence de cette pièce. Elle n'a pas accès au grenier. C'est-à-dire qu'on comprendra progressivement que c'est une femme totalement soumise. Elle va découvrir aussi à cette occasion qu'en fait, ils sont surendettés, qu'il y a des sommes d'argent considérables qui ont été dépensées, des dettes très importantes. On va découvrir en somme
D'abord que Nadine, à l'évidence, est une jeune femme qui est très franche, qui dit les choses simplement, qui ne cache rien. Et puis que la personnalité de Jean-Yves Morel est infiniment plus compliquée. Vous savez, j'ai eu le temps d'y réfléchir tout à l'heure, et assez précisément, et j'en suis sûr maintenant, les deux jours de repos, le 24 et 25 juin, en fait, je les ai posés la semaine d'avant. Il nous dévie tout de suite la conversation et nous revenons sur l'emploi du temps du 24. Il nous parle du 24 parce qu'il veut plus, il veut pas qu'on s'attarde sur les cassettes porno, vous voyez. Et il repart sur le 24 et en nous redonnant encore d'autres éléments. On essaie un peu de le faire sortir de ses gonds. Monsieur Morel, vous n'allez pas revenir sans cesse sur ce que vous nous avez déjà déclaré, hein? Dites-nous précisément ce qui s'est passé avec Elisabeth Griffin. Voilà. Vous avez voulu la séduire, elle a pas voulu, et vous êtes mis en colère, c'est ça? Mais pas du tout. Pourquoi est-ce que vous dites ça? J'ai jamais eu un geste déplacé envers Elisabeth. Monsieur Morel, vous avez un penchant pour la chose, c'est évident. On a vu votre collection de vidéos, de revues pornographiques. Bon, alors expliquez-vous maintenant. Dites-nous la vérité. Ça va vous libérer, monsieur Morel. Dites la vérité, ça va vous libérer. Parce que dans chaque personne, il y a le besoin de dire la vérité. Arrivé à un certain moment, ça libère les gens de dire la vérité que de se tordre l'esprit. On le voit hésitant, on se dit, tiens, il va avouer. Vous savez, Morel, je pense que vous n'échapperez pas aux assises. Et je suis sûr que vous allez être condamné à la peine maximale. Si vous nous expliquez de façon carrée ce qui s'est passé, je ne dis pas que vous n'irez pas en prison, mais je pense que vous bénéficierez de la clémence du jury. Allez, monsieur Morel. Et là, il se ferme. Après 24 heures de garde à vue sans résultat probant, une réflexion s'impose. Après cette sixième audition, nous avons un contact avec le juge d'instruction, qui est une sorte de super directeur d'enquête, si on veut, puisque c'est lui qui a les responsabilités de l'affaire. Et nous faisons le point de ce qui a été découvert et des explications de Morel. Et au vu des éléments, il nous a dit, oui, je comprends, vous devez encore poursuivre son interrogatoire, je vous prolonge la garde à vue d'un nouveau délai de 24 heures. On espère que Morel va craquer à partir des nouveaux éléments, à partir de l'emploi du temps qui est un peu malmené. On pense qu'on a une chance, avec le temps qui s'écoule, d'avoir des aveux. Mais les enquêteurs n'interrogent pas Morel tout de suite. Il décide de le placer en chambre de sûreté. Quand on le met dans la chambre de sûreté, on sent qu'il fait la gueule, quoi. Il fait la tête, quoi. Il a comme seul vêtement un slip. Et il a quand même touché dans sa propre intimité. Mais on se dit, bon, on verra dans 5 heures ce que ça donnera. Pendant cette pause qui va durer jusqu'au lendemain matin, le lieutenant Frottier, le deuxième directeur d'enquête, observe Morel. Je suis resté dans les locaux de la brigade, je l'ai observé, et lui, il ne dormait pas. Il n'a pas eu un moment où il allait s'apaiser, se reposer, il était en concentration complète. Et là on se dit, il a mûrement réfléchi, notre technique a bien fonctionné, il va certainement nous donner la version réelle des faits, ce qui va être un soulagement pour tout le monde, quoi. Je vais essayer de vous dire ce que je sais. J'ai rien dit parce que j'avais peur qu'on me soupçonne. Mais j'ai oublié volontairement de dire que j'avais vu Elisabeth après le 16 juin. Vous l'avez vue où? Et quand? C'était le vendredi 27 juin à 16h. J'ai garé la voiture sur le parking de la mairie à Lillebonne. J'ai traversé la rue pour aller sur le petit trottoir de droite. Et là, mon attention a été attirée par deux jeunes femmes qui se tenaient bras dessus, et mon regard a croisé l'une des deux jeunes filles et j'ai reconnu Elisabeth. Et dès qu'Elisabeth m'a reconnu, elles ont fait demi-tour. C'est une blague, monsieur Morel? Elisabeth Griffin a disparu le 24 juin. Personne de son entourage ne l'a vue et n'a eu de ses nouvelles depuis ce jour-là. Et tout d'un coup, comme par magie, vous la voyez le 27 juin à Lillebonne?
Il est vicieux, c'est le summum, quoi. Il est en train de nous trimballer sur une piste que l'on ne va pas pouvoir vérifier rapidement. C'est pas possible, c'est pas vrai. C'est encore un mensonge de plus. Et on a un temps de réflexion, on analyse un petit peu. Et là, on se rend compte qu'en fait, on est dans l'impasse et que Morel a bien joué le coup. Une stratégie se dit, on veut garder du temps de garde à vue. Donc, en accord avec le magistrat, on lève la garde à vue à ce moment-là. Légalement, dans un même dossier, il est possible d'interrompre une garde à vue et de la reprendre des semaines, des mois, voire des années plus tard. Mais sa durée totale ne pourra excéder 48 heures. En début de soirée, Jean-Yves Morel quitte la gendarmerie en homme libre. On l'a vu remonter à bord de son 4x4, on aurait cru un gamin qui grimpait dans un jouet à la foire, à Saint-Romain. Hein. Il était content de repartir. On l'a vu, on était derrière le carreau et il est reparti chez lui. Bon, puis moi, avec mon collègue, on s'est dit, bon, ben, attends, on se retrouvera. Il a gagné la première manche. Les vérifications entreprises sur l'île Bonne, bien sûr, ne confirment aucune présence d'Elisabeth après les faits. Sans surprise, on ne trouve aucune trace d'elle vivante après sa disparition. Pendant ces quelques mois qui ont suivi cette garde à vue-là, il a été placé sous surveillance téléphonique, il a exercé plusieurs filatures sur recherche. Il n'est jamais sorti de son chemin. Il a repris son masque de Monsieur Tout-le-Monde. Au fil des enquêtes et au fil des investigations qui se sont multipliées, on a ressenti un sentiment d'hostilité. Certains enquêteurs allaient dans le sens où cela devenait de la persécution et que Morel, après tout, n'avait peut-être rien fait et qu'on s'acharnait peut-être un peu trop sur lui et sa famille, quoi. Même le maire a été contacté, puisque Morel lui avait fait part qu'il était harcelé par la gendarme. Donc il s'est manifesté en demandant si on ne pouvait pas lever un peu le pied, parce que effectivement c'était une famille modèle et qu'il aurait été surpris que Morel soit un criminel. On ne s'est pas découragé parce que, au fil des auditions, Elisabeth faisait presque partie de la famille. C'était une fille qui était courageuse, pleine de vie, avec des projets, d'autant plus qu'on n'a jamais cru à sa disparition. En plus, j'avais ma fille qui avait le même âge qu'elle. Et quelque part, ça a créé une motivation supplémentaire, je pense. Pour confondre Morel, les gendarmes sont de plus en plus convaincus qu'il leur faut des éléments matériels incontestables. Sans ça, Morel ne craquera jamais. La preuve irréfutable serait la découverte du corps de la victime. Des corps, c'est difficile à dissimuler. Donc, pour l'instant, aucun corps qui avait été découvert dans la région ou à l'extérieur ne correspond à celui des victimes. Aucun corps n'est remonté de la Seine. Aucun corps n'est remonté de la mer qui n'est pas très loin. On est persuadé qu'il n'a pas pu se séparer du corps facilement du fait de l'emploi du temps qui était cadré, qu'il disposait quand même de peu de temps. Et on sait pertinemment que pour se séparer d'un corps, il faut quand même un délai assez long. Donc, voilà, on pense à un lieu qui est facile, c'est son domicile. Sa propriété, il est relativement grande, c'est un pavillon, un garage, un terrain. On a conclu à partir de ces réflexions que l'on avait une chance que le corps soit au domicile sur le terrain de Morel. Et M. Griffin a reçu un appel téléphonique d'un voisin de Morel qui lui précisait que celui-ci avait effectué des travaux dans son terrain. Donc ça rejoint un petit peu l'axe qu'on se donnait et ça nous a conforté dans l'idée de procéder à des fouilles. 10 mois après la disparition d'Elisabeth, le 28 avril 1998, au petit matin, les gendarmes, sous l'autorité du juge d'instruction, débarquent en nombre chez Jean-Yves Morel.
Grâce à un géoradar, appareil utilisé pour la première fois en France, ils vont sonder les sous-sols de son terrain. Tard dans la nuit, après une découverte déterminante, les gendarmes replacent Jean-Yves Morel en garde à vue. Il ne leur reste alors que 12 heures pour l'interroger. Pour la procédure, vous devez nous relater la journée d'hier, depuis notre arrivée chez vous à 7 heures du matin. C'est le chef d'enquête Richard Vépierre qui conduit l'audition. Hier, mardi 28 avril, vous êtes présenté chez moi à 7 heures. Et vous vouliez explorer mon terrain et ses dépendances. Et j'ai volontairement assisté à l'ensemble des opérations. Morel nous a reçus. Il n'a pas été déstabilisé du tout. Messieurs, faites votre travail. Il est certain que comme Morel nous reçoit, et d'une façon aussi détendue, on a du mal à le soupçonner. On pense, effectivement, on est peut-être quand même dans l'erreur. C'est pas possible. Il ne peut pas être comme ça et qu'il y ait un cadavre enterré dans son terrain. Et très vite, les premiers résultats ont montré qu'il y avait une zone suspecte dans mon garage, là où j'ai l'habitude de garer mon bateau. Ils nous ont situé une zone où vraiment, là, ils avaient compris qu'il y avait eu un gros mouvement de terrain. Là, c'était vraiment des anomalies très suspectes qui ressemblaient à une tombe. On a commencé à creuser, donc avec ce qu'on avait, des pelles, une barre à mine, etc. Donc vous avez enlevé de la terre sur une épaisseur d'environ 1 mètre et vous êtes tombé sur une dalle. Une dalle en béton. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit à plusieurs reprises « Vous pouvez casser la dalle, il n'y a rien en dessous ?» Oui. Oui, je me souviens bien. Persuadés qu'ils vont découvrir un corps coulé dans le béton, les gendarmes décident de casser la dalle. Ils pensent qu'elle n'a que quelques centimètres d'épaisseur. La surprise, c'est qu'au lieu de 10 centimètres, ils vont passer des heures interminables parce qu'il y a 90 centimètres d'épaisseur de béton. Quand la dalle est détruite et qu'on se retrouve en présence de la terre battue, effectivement, on a un sentiment d'échec complet. On s'est dit non, c'est pas possible. Il n'y a rien. À ce moment-là, Morel reste dans la même attitude. Il dit rien de particulier, mais dans sa tête, je pense qu'il doit jubiler quelque part. Il a espoir qu'on va s'arrêter. Quelle est l'explication psychologique derrière cette tranquillité? C'est parce que c'est un pervers et qu'il met les enquêteurs au défi de prouver le contraire. C'est-à-dire au défi de prouver qu'il n'est pas innocent. Et donc, il y a une jouissance considérable à voir tout ce petit monde en train de creuser, de fouiller, de remuer la maison, etc. Et il dit « chiche que vous ne trouverez pas ». Vous ne voyez pas comment je suis, un petit bonhomme comme moi. Vous imaginez un petit peu creuser un tel trou pour mettre un corps. Mais vous n'y pensez pas, quoi. Donc l'ouvrier poursuit et gratte la terre qu'il retire avec minutie, on peut dire. Et d'un seul coup apparaît une partie pointue en triangle, genre sac plastique noir de bâche utilisé par les agriculteurs du coin. Et donc, un de mes enquêteurs saute dans le trou, je le suis, il prend un cutter, il ouvre ce sac, et une odeur pestilentielle, telle que les enquêteurs connaissent malheureusement quand on découvre des corps, nous saute au nez. C'est une horreur, et là on comprend que ça y est, on a le corps. Vous m'avez demandé qui c'est et j'ai répondu c'est Elisabeth. Et dans le même instant, très peu de temps après, on lui demande et Marie-Hélène. Il dit non, Marie-Hélène, c'est pas moi. C'est le mardi 24 juin que tout est arrivé. Vers 11h, Elisabeth est arrivée à l'improviste. Elle venait se plaindre parce qu'elle avait toujours pas de stage d'été. Bon, il est quand même moins serein. Mais cependant, il continue dans le mensonge à fond. Moi, je lui ai dit que tout ça prenait du temps, que je devais me renseigner, mais elle ne m'a pas cru du tout. Elle m'a dit que je n'avais pas été très efficace auprès du labo. Le ton est monté. Là-dessus, elle m'a dit que ça plairait sans doute pas à ma femme de savoir qu'on se voyait aussi souvent. Morel reconnaît bien sûr
les faits, mais à sa façon, en se présentant plutôt en victime qu'en auteur. J'ai voulu la raccompagner à la porte en disant que c'était ignoble. Et elle m'a bousculé. Et j'ai répondu violemment, je l'ai cogné. J'ai poussé sa tête contre la poutre et contre le montant de la porte de la cuisine. C'est pratiquement de la légitime défense, si on veut aller par là. En fait, vous vous sentiez agressé par Elisabeth? Oui. Oui, elle m'a attaqué. Jean-Yves Morel, il assume pas son geste en disant « c'est elle qui m'a agressé, puis j'ai eu un geste malheureux ». Bon, alors, c'est un peu un classique. Derrière ça, c'est toujours sa personnalité perverse qui parle. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous dit, en fait, qu'elle a attaqué son narcissisme en lui disant « t'es un incapable, tu m'as pas trouvé de boulot ». Et c'est pour ça qu'il l'a tué. À un moment, je me suis rendu compte qu'elle réagissait plus. Et quand j'ai compris ce qui se passait, je me suis levé et je suis allé vomir. Mais j'ai pas vomi à cause de la gastro, hein. J'ai vomi parce que j'étais paniqué. Je savais pas quoi faire d'un corps inerte. Et là-dessus, j'ai eu l'idée de faire croire à une noyade. Mais en fait, j'avais pas le temps. Je suis allé chercher un sac dans le garage. Je l'ai mise dans le sac et je l'ai rapportée au garage et je l'ai mise dans le trou. Et ensuite, j'ai mis un peu de terre par-dessus. Mais la voiture d'Elisabeth n'a pas été retrouvée à La Fresnaye, mais à Lillebonne. Oui, c'était le lendemain. J'ai mis des vêtements que je mets jamais d'habitude. Je suis allé garer la voiture sur le parking de la cité Leclerval. Et je l'ai garée là-bas parce que je sais que c'est une cité qui craint. Et j'espérais qu'en laissant la portière ouverte et le sac bien en évidence, la voiture serait volée. Ça prouve quand même le degré de réflexion et de l'habileté quand même qu'il a à manipuler les gens et à nous orienter sur des fausses pistes. Je tiens à dire aussi que c'est moi qui ai eu l'idée du petit papier pour brouiller les pistes. J'ai noté une date, une heure, et j'ai choisi Fred parce que c'est familier et intime. Mmh. Et j'ai écrit le papier à la maison, mais je ne l'ai pas fait de la main droite, je l'ai fait de la gauche en appuyant un peu plus. Et à quel moment avez-vous dévêtu le corps? C'était après avoir eu l'idée de la noyade. Mmh. Oui, j'ai enlevé son pull. Elisabeth est retrouvée avec un simple soutien-gorge, complètement dénudé à part cette pièce de vêtements. Donc ça conforte en nous l'idée que sa mort est due probablement à un viol, un acte sexuel non désiré. Si c'était un simple homicide, on était sur une peine de 20 ans. Et si nous étions ce que nous pensions être sur un crime suivi, c'est-à-dire un viol suivi d'un homicide, nous étions sur une pénalité encourue de la perpétuité. L'heure tourne. Morel a avoué le meurtre, mais persuadé qu'il y a eu viol, Vépierre augmente la pression. Il ne lui reste que très peu de temps pour obtenir des aveux complets. Monsieur Morel, vous continuez à nous mentir. Plus vous persisterez dans le mensonge, plus ça va mal se passer pour vous aux assises. Ni les magistrats ni les jurés n'aiment être pris pour des cons. Et le pire, ce n'est pas la condamnation qu'ils vont vous infliger. Le pire, c'est que votre famille va se détourner de vous. Votre femme d'abord, ensuite votre fille. Là, je suis parti sur ses relations avec sa sœur et ses relations avec l'entourage. Je lui ai précisé, je lui ai dit, Morel, vous avez fait un truc qui est horrible, mais ayez au moins le sens de reconnaître ce que vous avez fait. Dans votre attitude, vous allez vous couper de tout le monde. Vous n'aurez plus de soutien, vous serez coupé complètement. Vos sœurs vous soutiennent encore aujourd'hui, mais si vous continuez à nier les faits, elles vont se détourner de vous. Elles vont vous mépriser. Alors Morel, s'il vous reste un brin d'humanité, un peu d'honneur, il faut que vous ayez le courage de me dire ce qui s'est réellement passé. Et là, j'ai vu qu'il intégrait ce que je lui disais, mais il était fermé.
Il n'y avait pas de réaction. Et donc, il se passe une chose complètement imprévue. Le gendarme Alanic rentre dans le bureau, nous propose un café. Il est 10h du matin, on a plus de 24 heures de sommeil en retard. Le café est bienvenu. Oui, moi je veux bien aussi un café, s'il vous plaît. Et là, le gendarme Alanic le fusille du regard et lui dit « Ah non, alors ça, jamais, vous, jamais !» Et elle s'en va. Et c'est là que ça bascule. Vous voyez, Morel, on vous méprise déjà. Je vous avais prévenu, c'est le début. Arrêtez de mentir. Dites-moi ce qui s'est réellement passé. J'avais envie de la revoir. Je lui ai demandé de passer chez moi à 11h et... ça s'est mal passé. J'ai abusé d'elle. Et c'est pour ça qu'elle avait plus ses vêtements. Et pourquoi ça s'est mal passé entre vous? En fait, depuis un moment, elle avait changé sa façon de me faire la bise. Elle m'embrassait plus près de la bouche. Donc du coup, moi, je me suis dit que je pouvais pousser plus loin notre relation, vous comprenez? Et à la maison, au bout d'un moment, je l'ai embrassée. Amoureusement. Quand il rentre dans les détails, quand il avoue, je ressens une sorte de soulagement. Je pense qu'il y a une osmose entre nous, il y a un contact qui s'est établi qu'on n'a jamais eu. Et on le sent, c'est différent. Il y a moins de réflexion dans ses réponses. Je sens qu'il dit la vérité, là, à ce moment-là. Quand j'ai commencé à la caresser, je l'ai senti qu'il se raidissait. Mais moi, j'ai continué. J'étais dans mes pulsions. Parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à utiliser la force pour la déshabiller. Et elle disait « Mais non, mais ça va pas, arrête. » Et j'ai abusé d'elle. Vous avez donc eu un rapport sexuel complet? Ouais, mais forcé. Elle a voulu se lever, elle a dit qu'elle voulait me dénoncer auprès de ma femme. J'ai voulu partir et je l'ai rattrapé et je l'ai cogné. Comme je vous ai dit. Chef. L'audition se termine en fait un petit peu rapidement parce qu'on aurait préféré que ça dure plus longtemps, mais on est obligé de rendre compte de ce qui se passe au juge d'instruction qui l'a fait déférer tout de suite. Monsieur Morel, à ce stade, nous devons vous informer que nous disposons de suffisamment d'éléments pour vous mettre en examen. En conséquence, nous allons informer le juge d'instruction que nous arrêtons votre audition. Et puis nous allons nous mettre en route pour vous présenter devant le substitut du procureur de la République. Vendredi 29 avril 98. Cette dernière audition qui a duré plus de 6 heures clôt la garde à vue de Jean-Yves Morel dans l'affaire Elisabeth Griffin. Incarcéré à la maison d'arrêt de Rouen, Jean-Yves Morel fait une tentative de suicide pendant le week-end. Jean-Yves Morel, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a les deux personnes qui cohabitent. La partie de Jekyll, c'est la partie adaptée, elle maîtrise tout jusqu'à un certain point. Et puis, quand on commence à trouver un cadavre, ça veut dire que c'est Monsieur Hyde qui est au premier plan. Le Morel agresseur sexuel, pornographe, etc., il est là. Et donc, il va se mettre à contrôler la partie adaptée. Et la partie adaptée ne peut pas supporter ça. C'est ça la tentative de suicide, très probablement. Il est 16h lorsque Jean-Yves Morel est ramené par les gendarmes sur les lieux de ses crimes, dans sa propre maison. Jeudi dernier,
Il avait avoué le meurtre d'une première jeune femme. Ce matin, il a reconnu celui de sa belle-sœur, Marie-Hélène Roussel. Le lundi suivant, le 4 mai, Jean-Yves Morel est à nouveau placé en garde à vue, cette fois dans l'affaire Marie-Hélène. Tout de suite, il avoue le meurtre de sa belle-sœur. Comme pour Elisabeth, il a enterré le corps dans son jardin, dans un trou qu'il avait creusé des semaines auparavant. Il a toujours des trous à disposition, c'est étonnant, mais c'est comme ça avec Morel. Il avait un trou qui était destiné à planter un arbre, et il a mis le corps de Marie-Hélène dans ce trou. Je pense qu'on avait affaire, malheureusement, à un prédateur sexuel qui s'était mis en place. C'est-à-dire qu'il est le prototype du tueur en série, et donc il les collectionne, il n'y a que lui qui sait où sont les cadavres. Je pense qu'il ne serait pas arrêté là. Le procès de Jean-Yves Morel s'ouvre le 16 février 2000 au palais de justice de Rouen. Un procès terriblement douloureux pour Nadine, son épouse. Un avocat ne peut pas l'employer, mais son épouse, elle peut l'employer. J'ai vécu avec un monstre. J'ai vécu avec cet homme. Il était là, dans le foyer, tous les jours j'étais avec lui, il avait tué ma sœur. Et j'ai continué de vivre avec lui comme si de rien n'était, il avait tué ma sœur. Je l'ai soutenu, je l'ai protégé, je l'ai défendu contre tous. Le 18 février 2000, Jean-Yves Morel est reconnu coupable du viol et du meurtre d'Elisabeth Griffin et du meurtre de Marie-Hélène Roussel. La cour d'assises de la Seine-Maritime le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité assortie de 22 ans de sûreté, la peine maximale du code pénal. Dans la carrière d'un enquêteur, il n'y a pas 50 affaires qui le marquent. Il y a une affaire ou deux affaires. Celle-ci en est une pour moi. Moi, c'est la douleur personnelle de Madame Morel et de la famille. Je pense que je la situe, oui, dans les plus belles enquêtes de ma carrière, dans le sens où bon, on a résolu deux affaires pour les familles, même si ça a été triste, mais je pense qu'elles ont été d'un côté quand même de savoir la vérité, de ne plus espérer aussi pour rien. C'est vrai qu'on a appris à tous autant qu'on était à croire en ce qu'on faisait. Et puis, aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout.